Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est lundi, il est 6h40, quelque chose comme ça. Le réveil a été difficile, je l'ai mis il y a à peu près une heure. Donc je me suis lavée, habillée. J'ai réveillé les petits, ils sont prêts également. Et donc ce matin j'emmène Alissa au centre pour 7h30. Donc il faut partir vers 7h10, disons presque 7h15. Là je suis en train de faire chauffer du pain parce qu'il faut absolument qu'elle mange puisqu'elle passe pour la journée. Donc voilà. Ah oui. Ensuite j'amène Aaron chez une, enfin, chez sa nounou. Et moi j'ai rendez-vous l'après-midi donc pour ma formation. Donc voilà, grosse journée. Julien a repris le boulot aujourd'hui aussi, donc il faut que je lui envoie un petit message de bon courage. Voilà, voilà. Donc je vous laisse et je vous reprendrai tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Donc il est 5h10 du matin. C'est le jour de la reprise, voilà. Donc là, réveil pas trop compliqué, ça va. Ça pique un peu, mais après 3 semaines c'est normal. Donc là maintenant c'est l'heure. Un petit déj, donc muesli avec petit miel, café. Et après c'est parti pour une bonne journée qui se terminera à 20h30. Voilà, bonne journée à tous. Bon, je viens de rentrer, il est 8h, je viens de déposer Alissa. Ça n'a pas été hyper facile. Elle a un peu pleuré, elle s'est un peu accrochée à moi, mais pas des grosses larmes. Vous savez, elle est très discrète, donc elle pleure doucement. Et les deux animateurs étaient vraiment top, donc je pense qu'ils vont bien s'occuper d'elle, ils vont bien s'amuser, ils ont l'air très doux, très calme. Donc je suis contente. Attendez, je vais aider Aaron. Tu veux le jouet qui est par terre, c'est ça? Tu veux que je te le donne? Tiens. C'est pour qui ça? Broum. Broum. Voilà, je vais faire jouer Aaron pendant une bonne heure. Après, il ira à la sieste pour faire toutes mes affaires, tout ce que j'ai besoin pour cet après-midi. Et je dois le déposer vers 12h30. Donc, je le ferai manger vers 11h30, je pense, midi moins le quart. Comme ça, il partira chez sa nounou en ayant mangé et on sera tranquille. Voilà, voilà, je transpire déjà. C'est une horreur. Bon, bon allez, il est midi 30, va falloir y aller. Je suis assez stressée en fait. Et du coup, j'arrive plus à me coiffer. J'arrive plus à m'habiller, je trouve plus les habits que je voulais mettre, je suis un peu en stress quoi, clairement c'est clair. Aaron rigole, tant mieux parce qu'il m'a fait une de ses crises, c'était horrible. Bref, moi je vous laisse et je vous emmène avec moi. Bon, moi je vous reprends, je viens de finir ma petite formation, enfin c'était pas vraiment une formation, c'était un rendez-vous diagnostic pour savoir si mon projet... Là, il voulait me faire ma petite formation de 3 mois. Donc c'est bon, on commence ma petite formation de 3 mois pour voir les étapes à suivre. Voilà, je transpire, je sais pas si vous voyez, mais il faut que je vous quitte pour pouvoir allumer la clim. Donc là, il est 3h20, je vais aller chez Leclerc parce que je vous prépare une petite vidéo dégustation avec Julien. J'ai besoin d'aller chez Leclerc. Peut-être que j'irai à Lidl, je verrai. Ensuite, je rentre et je récupère Lily vers 5h. Et ensuite je récupère Aaron. Voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse. Il fait une chaleur, je vous en parle même pas. Donc je suis rentrée, j'ai posé mes courses, j'ai mangé. Parce qu'en fait moi il faut savoir que généralement quand j'ai un rendez-vous, quelque chose qui me stresse, je ne mange pas. Voilà, donc je n'avais pas mangé, donc j'ai mangé là en rentrant à 3h30. Là il est 4h, donc je vais partir je sais pas encore où. Mais pour compléter ma vidéo dégustation, je vais aller faire 2-3 courses. Après je récupère Alissa donc au centre de loisirs. Et ensuite on va chercher Aaron parce qu'Aaron est dans le village en fait où je suis. Et Alissa elle est plus près du magasin. Donc je vais déjà aller au magasin récupérer Lily. Et en plus elle voulait que je vienne la chercher seule ce soir, donc voilà. Et ensuite j'irai chercher Aaron. Et je vous emmène avec moi. Il est après à 8h15. Aaron est excité. Je suis en train de faire un steak pour Lily. Il reste des courgettes d'hier, des tomates cerises, de la purée de courgettes également. Donc comme ça ils vont manger ça. Je crois qu'il me reste même des pâtes. Donc voilà. Donc je vais leur donner à manger. Ensuite je vais les laver, les coucher. Je vais arroser le potager. Ensuite je vais me laver. Et je vais pas me coucher. Non, je vais attendre Julien. Je vais préparer le repas d'ailleurs. Je vais peut-être le faire maintenant. Il reste des pâtes fraîches, donc je vais les faire maintenant. Et je me suis posée 5 minutes, j'aurais pas dû, je suis dans un état de fatigue.
Vous n'imaginez même pas. C'est le stress de la journée qui redescend. Et puis, bah, clairement, on n'aime pas trop ne pas être ensemble avec Monsieur Julien. Donc, voilà. Bon, allez, je fais ça. Donc, je fais des pâtes ricotta épinards. Et je fais manger les petits. Coucou. À tout à l'heure. Bon, aujourd'hui on est mardi et à votre avis je fais quoi avec un underbrun comme ça? Et ouais, l'aspi. Hein, tu lâches pas maman là? Bah oui, hein, mais bon. Et donc du coup ce matin on a déjà, je vous prends ma tête de matin. Et je me suis pas vraiment habillée, mais j'ai juste mis une robe parce que les poubelles étaient crado, il y avait des asticots qui étaient tombés de la poubelle avec la chaleur et tout. Donc bah, j'ai tout vidé, tout nettoyé à fond dehors. Donc voilà. Les poubelles sont en train de sécher dehors. Après j'ai passé un coup d'aspi. Après je viens de terminer. Et je vais passer un coup de serpillière. Tout ça avec ce petit bonhomme là. Petit bonhomme en mousse. Ouh, qui est caractériel. Hein. Ouh là là. Bon allez, je vais le faire marcher. Il sera content. A tout à l'heure. J'ai trop fait. Il arrive bien, il le déplace. On a mis le parc là, enfin on a mis, j'ai mis, hein, mais on avait pris l'habitude avec Julien de le mettre là. Et on a commandé une barrière de sécurité qu'on va tester, bah, que je reçois aujourd'hui. Oups, catastrophe. Je la reçois aujourd'hui, donc on la mettra demain. Et si elle est bien et qu'elle convient, on en rachètera une deuxième pour la deuxième partie. Et à voir si on en prend pour en haut ou pas, voilà. Donc là, il est bancal parce qu'il y a une roue qui s'est cassée hier, donc je l'ai mis de côté pour que Julien la répare. Mais ça n'empêche pas d'avancer, ouais, il est content. Catastrophe. Tu arrives bien mon loulou, hein, attention. Regarde, je mets les pieds en droit. Vas-y, allez. Oula, 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 oula. Problème. Moi je reprends laver. Ça fait du bien, je peux vous le dire. Surtout quand vous avez fait un coup de ménage. Enfin, j'ai juste passé l'aspi et lavé les poubelles, mais bon, voilà. Donc, laver, maquiller, habiller. J'ai mis une petite robe en fait parce que j'attends une livraison. Vous savez, les barrières de sécurité, là, j'en ai commandé une. Donc, j'attends qu'elle vienne. Donc, voilà. Je me suis pas mis en tenue de maison, quoi. Si jamais j'avais relivreur, au moins j'ai mis une robe. Voilà. Il y avait des petites bêtes. Regarde-moi quand tu parles. Et oui. Après, maman, elle a nettoyé la poubelle. Et après, elle a remis des bêtes dans la poubelle. Et oui, il y avait des bêtes, je les ai jetées. Oui. Plein de petits asticots. Bah. Je sais pas si ça vous le fait chez vous, mais là où j'habite avant, ça le faisait pas parce qu'en fait, les poubelles, c'était. Pas aussi bien trié, donc finalement tout était mélangé, donc la poubelle se remplissait beaucoup plus vite et bah, on la vidait en fait, elle était directement dans notre bac de dehors. Je suis désolée, hein, je me fais un café en même temps. Sauf que ici tout est trié, donc c'est à dire que tout ce qui est déchets biodégradables est ensemble, donc, et ça reste assez longtemps. Et la poubelle, ce qu'on appelle la poubelle noire, c'est la poubelle des couches, etc., donc les couches d'Aaron, et je pense que c'est ça qui a peut-être fait des asticots, j'en sais rien, avec la canicule et tout, la chaleur. Enfin bref. Donc du coup, voilà, comme la poubelle reste plus longtemps, je pense qu'avec la chaleur, ça se développe, j'en sais rien. Bref, ceci étant dit, ce matin, c'était pas très appétissant de bon matin. Avant même d'avoir fait leur lait, je me suis lancée dehors en train de nettoyer tout ça. Donc les poubelles sont en train de sécher, de toute façon ça peut faire que du bien. Mais j'ai l'impression que je les lave tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, bon, moi je vous laisse, je me suis fait un bon petit café. Et Aaron est à la sieste, Alissa va jouer et on vous reprendra tout à l'heure. Bon, les petits ont mangé, là je vais aller chercher des tomates, je suis en train de faire la salade de riz. Pour ce soir et pour bah, moi midi en fait, parce que j'ai pas mangé. Donc du coup je vous emmène dans le jardin, dans le potager. Moi pour ce midi ce sera tomate, oignon, maïs, thon et basilic. Voilà.
Bon appétit. Coucou. Ah oui. Coucou. Aujourd'hui on est mercredi. Il est je crois 9h15, quelque chose comme ça. On va chercher les courses tous les trois. On a Ron qui est en train de jouer. J'ai pas rangé la table du petit-déj, rien du tout pour l'instant. Je vais d'abord chercher les courses avant qu'il fasse trop chaud, bien que j'ai l'impression que la chaleur est un peu descendue. Mais voilà, je préfère aller chercher mes courses comme ça c'est fait. De toute façon, je vous filmerai le retour de course qui sera en ligne bien avant cette vidéo. Voilà, je vous montre le petit vite fait. On te regarde, vas-y, tu filmes toi. Qu'est-ce que tu dis à la caméra, à ta caméra, à toi? Vas-y, ça va? Non, mais reste, c'était bien là-bas. Là, on voit plus rien. Remets-toi où t'étais, Vera Ron. Ça va, maman? Ça va, et toi? Là, il y a Aaron. Que tu fais comme moi? Et là, il y a maman avec la caméra. Eh oui. Bon, allez, on vous emmène. À tout à l'heure. Oui, on se retrouve tout à l'heure, elle a raison. À tout à l'heure. Bon, je vais couper des courgettes dans le jardin parce que je crois que c'est la folie qu'il y en a partout. Donc avant qu'elles deviennent trop grosses, c'est immangeable. J'y vais maintenant. Bon, ben du coup, voilà la récolte du jour. Je viens d'aller cueillir tout ça. Les courgettes, elles sont grosses. Hein. Ça, c'est celle qui restait, donc j'en ai 7. Je pense que je vais aller en donner aux copains parce que là, ça fait beaucoup. Voilà. Le seul truc, c'est que je crois qu'elle commence à être contaminée par le mildiou, je sais jamais comment on dit. Puisque les nouvelles courgettes ne se développent pas, elles pourrissent avant. Et les courgettes jaunes, elles n'arrivent pas à grossir. Donc je pense qu'elles sont contaminées. Faut que je trouve une solution là pour les sauver. Ce serait bien dommage, une telle production. Bon allez, je vous laisse à Render. Je vais souffler un peu. À tout à l'heure. Bon, allez, je commence à préparer le repas de midi. J'ai pris 2 courgettes, faut les utiliser, 3 échalotes, des pommes de terre. Je vais faire une petite purée pour les enfants et peut-être pour nous s'il y en aura assez. Voilà le résultat, courgettes, pommes de terre, écrasées. Salut à tous, bah écoutez, moi je vous retrouve depuis le dernier vlog. Bien évidemment, je suis moins présent parmi vous, c'est normal, le boulot a repris. Hein. Il faut bien bosser. Donc voilà, mais ici à la maison, c'est la débandade. Voilà. On était tous en vacances pendant 3 semaines. Avec tous les 4, hein, 3 semaines non-stop. On vit bien, on n'avait pas envie de s'entretuer. C'était cool. Franchement, on a passé peut-être les meilleures vacances. Sans faire trop de gros départs des trucs, mais simplement aller voir la famille, des petits trucs à droite à gauche, des petites sorties, des petites balades, des plaisirs simples de la vie en famille, n'est-ce pas? Donc voilà, mais ici messieurs dames, c'est la débandade. Pourquoi donc? Non, donc en fait, regarde déjà, rien comme bientôt Alissa, tu sais que c'est la débandade. Voilà, la preuve en est, on n'en peut plus. Fais voir, qu'est-ce qui se passe Alissa? Ah t'es en contre-jour, attends, toi de l'autre côté. Oh là 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 là, qu'est-ce que tu manges? Du fromage blanc, ouais, ben heureusement qu'on va à la douche après, parce que là, si tu allais pas à la douche, je serais pas très fier de toi, hein, parce que tu en as même jusque dans les cheveux, là, autour de la bouche, bon, c'est du n'importe quoi. Hein, un petit commentaire, monsieur Aaron. On le voit pas bien, là. Avec son sourire. Bah oui, un petit commentaire. Tu veux dire un mot? Tu fais coucou? Non, tu fais pas. Donc, pour reprendre où j'en étais. Donc, j'ai repris le boulot lundi, hein, comme vous avez pu le voir dans un vlog précédent. Et puis, ben, grosse reprise de boulot, lundi, mardi, toute la journée, 5h30, 8h30, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Ben, tout va bien. Hein. Aujourd'hui, je travaillais que le matin, c'était cool. J'ai essayé de faire une petite sieste ce matin. Mais... Non, c'est après. Cet après-midi, bien sûr. Comme j'ai une fille adorable qui m'aime trop fort, elle a tout fait pour m'empêcher de dormir. Et la chaleur n'aidant pas, c'était compliqué. Mais ici, c'est la débandade parce que ben, les journées sont compliquées avec nos enfants. Surtout la petite Miss qui est là, qui a du mal à encaisser le fait de peut voir son papa tous les jours, toute la journée. Et donc, il fait vivre des misères à sa mère. N'est-ce pas, maman? Je suis au bout du rouleau, c'est pour ça que je filme pas. Parce que je suis fatiguée. Oh. Et voilà, vous voyez un peu, c'est le quotidien. Là, il appuie sur la compote, elle tombe. D'habitude, ça le fait pas, mais aujourd'hui... aujourd'hui, c'était pas la journée. On est sur VDM. Bienvenue dans VDM Family.
encore me voir. Ouais, toi, t'es un peu narcissique, je trouve. Hein. Mais bon, c'est pas grave, on t'aime. T'es la plus belle, c'est pour ça. Oui, donc voilà, bon, allez. Ça devrait un peu vous saouler de voir ma tête. Alors, je vous dis salut. Je sais pas si salut, c'est clôture de vlog ou pas, mais salut. Coucou, ben, nous, on vous retrouve entre mecs. On sort du bain, enfin, pour le petit bonhomme. Hein, ça fait du bien, un petit bain. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Et ici, on a un moment mère-fille. Voilà, où maman coiffe les cheveux. Je les démêle. De sa fille. Avant d'aller au dodo. Hein, ma Lily, c'est chouette. Ils sont longs tes cheveux en plus. Fait du bien-être avec sa maman. Elle prend soin de toi, ta maman. Hein? Je préfère papa. Hein? Mon papa. Bon, nous, on est parti au potager, donc je vous emmène. Hyper vite. Et puis, je vous avais déjà peut-être emmené ce matin. Et on retrouve pour un petit sondage. Donc, les spaghettis, vous les aimez comment? Plutôt en forme spaghettis normale. C'est des linguini. Traditionnelles, hein. Moi aussi des linguini, c'est pareil. Longue, galère à manger, ou alors en mode petit enfant. Prédécoupé, prête à manger, qui tient dans la fourchette et qui en met pas partout. Eh bien, on vous attend en commentaire. Vous avez compris, ça c'est mon assiette. Ça c'est à moi. Coucou. Bon, moi je vous reprends. Il est 8h24. On va manger. Tout à l'heure, je vous ai pas dit, on a été chez nos copains, on leur a ramené des courgettes. Parce qu'on en avait plein, je vous avais montré ce matin. Donc, on leur a ramené un paquet, un sac de courgettes et ils nous ont donné de la sauce tomate qu'ils avaient faite maison. Donc ça fait une éternité que je rêve de pâte sauce tomate. Donc ce soir c'est pâte sauce tomate. Voilà, ça me donne trop envie. J'avais pris des bonnes pâtes en plus avec la bonne sauce tomate maison, fraîche. Donc voilà, bah écoutez, on va clôturer ce vlog maintenant. J'espère que ce petit vlog en notre compagnie vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Salut.